bien profité des soldes. On a acheté de quoi s'éclairer, si jamais il n'y a plus de courant. Bon, j'ai acheté pas grand chose, hein. 2-3 petites lampes, histoire de dire. Voilà, histoire de quoi s'éclairer à la bougie. One eternity later. Et ben voilà, les lampes Olight, c'est surcoté. Hein. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on va parler de lampes Olight. On va parler des nouveautés du mois d'avril, j'ai la chance d'en avoir deux avec moi aujourd'hui. Alors celle-ci n'est pas vraiment une nouveauté, c'est juste le coloris qui change. C'est une i5T EOS poussière d'étoile, magnifique. Mais la vraie nouveauté, c'est celle-ci, c'est la Baldeir RL Mini. Puisque la Baldeir RL existe déjà en version grosse, entre guillemets. Voilà, et ils ont sorti la Mini. Comme pour la Baldeir Mini. Donc entre la Baldeir Mini et la Baldeir RL Mini, quelle est la différence? C'est que la RL, c'est un laser rouge, et la non-RL, un laser vert. Comme d'habitude, je profite de faire cette vidéo à l'occasion d'une grosse promo et d'un jeu concours. En ce qui concerne le jeu concours, c'est moi qui l'organise. Je vous fais gagner cette i5T EOS poussière d'étoiles sur mon Instagram. Tous les détails seront dans la description. Donc en gros, c'est comme celle-ci, c'est juste le coloris qui va changer. Voilà. Donc je vous fais gagner cette petite lampe d'une valeur d'environ 40 euros. Mais le plus fou, comme d'habitude, c'est la promotion que propose Olight sur pas mal de lampes, et notamment du coup sur la Baldeir RL Mini. Cette lampe flash ne dure pas très longtemps. Elle va être disponible à partir de 10h le 20 avril jusqu'au 21 avril 14h. Vous aurez donc 20% de réduction sur la Baldeir RL Mini à ce moment-là, et 30% si vous prenez un kit comme ceci. Comme d'habitude lors des ventes flash, vous avez des cadeaux offerts lors de vos commandes. Donc selon la valeur de votre commande, vous pouvez avoir carrément une lampe Olight Freyr offerte. Donc comme ceci, donc c'est pas des cadeaux à négliger. Ou également le fameux stylo de chez Olight Open 2 ou une Warrior Mini. Plein de cadeaux à gagner comme d'habitude, que ce soit sur mon Instagram et la boutique Olight, des promotions à ne surtout pas manquer. À ce propos, si vous voyez la vidéo trop tard, c'est-à-dire que mon jeu concours est déjà fini et que les promotions Olight également, je vous invite à activer la cloche et vous abonner à cette chaîne YouTube, histoire que vous soyez prévenus en temps et en heure lorsque des nouvelles vidéos sortent, car il y a souvent ce genre de promos et de jeux concours sur ma chaîne. Donc si vous voulez en profiter et pas arriver trop tard, activez tout ça. Merci encore à Olight France du coup de me permettre de réaliser cette vidéo en me fournissant du matériel. Vous connaissez mon addiction pour les lampes Olight, que ce soit pour la chaîne YouTube pour vous présenter ces produits de qualité. Je m'en sers au stand de tir, notamment surtout pour les lasers, et beaucoup en montagne pour l'éclairage tout simplement. Et je vends aussi ces lampes sur ma boutique. Donc voilà, vous savez que j'adore cette marque de lampes. Vraiment, allez faire un tour dans la description, vous trouverez beaucoup d'informations sur tout ce que je vous dis. Comme d'habitude, on va passer à l'unboxing, l'ouverture de la boîte de la Baldeir RL Mini, afin que vous découvriez avec moi ce qu'il y a dans cette boîte. Celle-ci, évidemment, je n'ouvre pas, puisque je vais vous laisser le plaisir de le faire quand vous la recevrez chez vous après le concours Instagram. Me revoilà pour l'ouverture de la boîte. On va garder notre i5T EOS poussière d'étoile ici dans le coin, qui va nous accompagner. D'ailleurs, avec garantie 5 ans pour une petite lampe comme ça, c'est toujours assez impressionnant. Alors j'ai oublié de vous préciser que cette Baldeir RL sera également disponible en couleur tan. Comme d'habitude, on a une boîte simple, efficace, épurée, assez jolie. Allez, on va l'ouvrir. Ce qu'on a tout de suite, c'est notre lampe. D'accord. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Derrière, on a un petit mot de la part d'Olight. Congratulations on the new Baldeir RL Mini. Increase your accuracy not only at the range, but when your life depends on it. Voilà. Donc j'ai la flemme de vous le traduire. Non, allez, je vous le relis. Félicitations pour votre nouvelle lampe, hein, la Baldeir. Augmentez votre précision, pas seulement au stand de tir, mais également quand votre vie en dépend. Voilà.
Tout de suite, derrière, on a la notice. Je reviens sur ce que j'ai dit. Ici, nous avons donc la clé pour régler le laser et le système de montage pour changer entre le système de montage rail type Glock ou le système de montage rail Picatinny 1913. Et derrière la boîte, on a les classiques et fameux, un câble de chargement magnétique Olight. Celui-là, il a écrit spécial dessus. Allez, passons tout de suite à la lampe, c'est ce qui nous intéresse. Comme d'habitude, on a vraiment une sensation en main et un produit fini vraiment de qualité. Hein. Les finitions sont belles, c'est assez rigide, un poids conséquent qui est aussi une preuve de solidité. On a un alliage d'aluminium, encore une fois, qui est très bien. On retrouve ici Balder RL Mini, numéro de série, les deux vis de réglage en hausse et en dérive du laser. Ici, on a les deux interrupteurs ambidestres avec une seule action dessus. Ici, le papillon hein, pour installer rapidement la lampe sur notre arme. Encore une fois, ça coulisse pour s'adapter au mieux à n'importe quelle arme. À l'avant, on a la LED, lampe et le trou pour le laser. Il passe là. Ici, évidemment, le port de chargement magnétique. De l'autre côté, on a juste écrit Olight et là, une LED d'indication de batterie. Très intéressant. Et ici, également, on a le switch qui permet de choisir entre lampe seule, lampe plus laser et laser seul. Le switch qui est ici avec une petite flèche pour indiquer où on se trouve. Donc rapidement, on va allumer tout ça, même si en vidéo, ça parle pas beaucoup. Donc je me mets en lampe uniquement. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est très puissant. Les boutons sont précis, efficaces, répondent bien, ils sont fiables. Ça, c'est important. Là, on est en lampe plus laser. Bon, le laser, vous voyez pas parce qu'il est un peu noyé par la lampe à la caméra, si vous le voyez là. Et là, on est uniquement en laser, laser rouge. On va se l'installer rapidement sur le Glock pour voir la facilité. Donc évidemment, vérification de sécurité de l'arme, il n'y a rien à l'intérieur. Hop, voilà, l'arme est sécurisée, on va pouvoir procéder à l'installation. Donc j'ouvre mon papillon, tout simplement comme ça. Je viens glisser, aligné avec la fente du Glock. Et là, avant de serrer, eh ben, vous voyez, je peux régler l'éloignement plus ou moins fort de la lampe. Donc moi, j'aime bien le coller, mais pas complètement, vous voyez, parce que là, c'est complètement embuté contre le ponté. Du coup, pour les vibrations, etc., c'est pas terrible. Mais on peut voir en attendant que ça épouse parfaitement le ponté du Glock, puisque les deux boutons viennent de chaque côté, avec très peu de marge. Donc c'est intéressant. Moi, j'aime bien laisser juste un cran de décalage, comme ça, je verrouille. Comme ça, c'est pas embuté direct et ça reste quand même très accessible à mon doigt. Ça évite les chocs voilà, et les vibrations. Et là, vous voyez, bah, c'est tout de suite très serré. Ça tient très très fort. Et là, on peut voir qu'avec mon... Déjà, c'est très très joli, très beau, très compact, d'accord. Voilà. Et avec mon doigt, j'ai aucun souci pour l'atteindre, même avec un cran plus éloigné. Voilà. Après, vous pouvez régler en fonction de votre longueur de doigt et de sur quelle arme vous montez le laser, évidemment. Et là, c'est nickel. Donc toujours très efficace comme système de montage. Voilà. Lors de la promotion, vous avez également des packs avec une M2R Warrior Pro dans un coloris spécial. Donc encore une fois, allez voir ça, il y a pas mal de possibilités sur le site. Donc détail de la lampe, on a une puissance max de 600 lumens, c'est vraiment beaucoup. Une portée max de 130 mètres. On a dedans une batterie 230 mAh. Au polymère de lithium, test de chute de résistance à 1 mètre et un poids de 91 grammes. Donc sur le site online, on a des comparaisons qui sont faites hein, entre la Balder Mini, RL Mini et la Balder RL. Donc celle-ci fait 57 mm de longueur et celle-ci 84 mm de longueur. Évidemment, celle-là est plus petite, par contre, celle-ci a des options que la RL Mini n'a pas. La RL Mini n'a pas de possibilité de choisir sa puissance, hein, on n'a pas de double switch, et on n'a pas également de mode stroboscopique, et elle est moins puissante. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. La miniaturisation fait qu'évidemment, on est obligé de faire des compromis sur les possibilités. On a une intensité lumineuse de 4225 candela. Donc on a différentes autonomies selon hein, si on a le laser et la lampe activée ou que la lampe ou que le laser. Donc par exemple, le laser rouge tout seul, il a une autonomie de 11 heures, donc c'est plutôt long. Ensuite, on a la lumière blanche seule qui a une autonomie de 1 heure à 600 lumens, puis 100 lumens, 39 minutes.
Bon, en gros, on va avoir de la lumière pendant 2 heures, mais ça va être en, ça va petit à petit réduire la puissance. Et ça descend encore un peu plus si on a la lumière et le laser combinés. Hein, on a 1 heure et 37 minutes, donc la différence n'est pas énorme. Le laser consomme pas beaucoup. Du coup, on a quand même une grosse autonomie, quoi qu'il arrive. Elle est étanche en IPX4. Et pour vraiment aller dans tous les détails, que vous ayez toutes les informations du monde dans cette vidéo sur cette lampe, un diamètre de la tête de 32,8 mm et un diamètre du corps de 35,8. C'est tout pour cette lampe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez toutes les infos que vous souhaitiez avoir sur cette lampe. N'hésitez pas du coup à aller voir toutes ces promotions. Encore une fois, allez checker la description de cette vidéo. Il y aura mon Instagram, celui d'Olight, le Facebook, le mien, la boutique Olight, ma boutique à moi. Il y aura toutes les informations du monde dans la description. Et surtout, ne loupez pas mon concours sur Instagram et cette promotion Olight. D'ailleurs, je vous encourage à passer par les liens dans la description pour aller voir les promotions de chez Olight, puisque c'est des liens affiliés, donc qui me relient directement à Olight. Ça vous permettra non seulement de profiter pleinement des promotions, et en plus, ça aide, ça soutient la chaîne lorsque vous utilisez ces liens-là spécifiquement. Voilà, donc cliquez dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la présentation, normalement, de ma carabine garde-sous-levier 22LR, donc restez dans le coin. Merci de votre fidélité. À tout bientôt.